Hello everyone and welcome to Language Tutoring Online. So today we're going to tackle the technology section of the GCSE and we're going to talk about what we do on the internet. Okay. Que fais-tu quand tu es connecté? Let's say that again. Que fais-tu quand tu es connecté? Quand je suis connecté, je fais beaucoup de choses. Quand je suis connecté, je fais beaucoup de choses. Je fais des achats. Je fais des achats. And you can even add, je fais des achats en ligne. Je fais des recherches pour mes devoirs. Je fais des recherches pour mes devoirs. Je fais des quiz. Je fais des quiz. Je lis des blogs. Je lis des blogs. J'envoie des emails. J'envoie des emails. Je joue à des jeux en ligne. Je joue à des jeux en ligne. Next, let's add some connectives. Connectives are those little words that you can add to the sentence to link the sentences together. D'abord. Next. Ensuite. Ensuite. Then. Puis, puis, at last, enfin, enfin, d'abord, ensuite, puis, enfin. Ok, so let's do that. D'abord, je fais des recherches pour mes devoirs. Ensuite, je lis des blocs. Puis, j'envoie des emails. Enfin, je joue à des jeux en ligne. Ok, so next we need to add some frequency adverbs. Frequency adverbs are things which tells you how many times you do something. For example, once a week would be une fois par semaine. Une fois par semaine. Often would be souvent. Souvent. Sometimes would be parfois. Parfois. Every night would be tous les soirs. Tous les soirs. D'abord, je fais des recherches pour mes devoirs une fois par semaine. Ensuite, je lis souvent des blogs. Puis, j'envoie parfois des emails. Enfin, je joue à des jeux en ligne tous les soirs. Ok? Now we need to add opinion. Opinion are very important. We're going to add a positive one, a negative sentence with a negative opinion and a justification. Now, justification, think about your car. Because in French, you can just say car. Car is because. D'abord, je fais des recherches pour mes devoirs une fois
par semaine. Je trouve ça pratique. Je trouve ça pratique. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes sur Internet qui sont utiles pour mes devoirs. So here we're adding some creative language. Two very important adjectives. Pertinent, which is like very useful material. Utile, which is useful. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes sur Internet qui sont utiles pour mes devoirs. Ensuite, je lis souvent des blogs. Puis, j'envoie parfois des emails. Enfin, je joue à des jeux en ligne tous les soirs. Mais je ne fais jamais de quiz car je trouve ça ennuyeux. Ennuyeux. Now, the last thing that we need to add is another tense. Mais je ne fais jamais d'achat en ligne car mes parents ne sont pas d'accord. Plus tard, j'aimerais faire des achats en ligne quand j'aurai une carte bancaire à moi. OK? So I've written down everything on a PDF file that you can have free of charge, and I really wish you all the best with your GCSE exam. Please like the video and I'll see you later. Bye bye.